Je suis l'aigle de la route. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Mad Max. Donc, chers amis, dans cet épisode, nous allons tout simplement finaliser la zone, les plaines, la plaine du Brasier. On va commencer déjà par aller faire cette petite ferraille. Ensuite, on ira sûrement faire celle-là. Et en plus, dans notre recherche, donc en plus d'aller faire celle-ci, nous rechercherons donc le deuxième champ de mine. Celui-là, apparemment, n'en fait pas partie. Donc, ça pourrait être intéressant. Pour ce faire, nous allons prendre un véhicule particulier. Choisir un autre véhicule, voilà. Dans ma collection. J'imagine que c'est dans ma collection. Buggy de chum, voilà. Et normalement, dedans, on aura le chien. Qui pourra, en cas de pépin, nous indiquer où aller. Par contre, apparemment, nous n'avons pas du coup chum dans le... Dans le... Comment... Dans la voiture. Allons-y. Ah, ça fait du bien de revenir dans le jeu. J'y reviens tous les jours, mais... C'est vraiment un moment que j'attends. Hein. Tout particulièrement. Alors. Griffa, je pense qu'on n'a pas encore assez de points pour vraiment être intéressant. Alors, on s'approche. Alors, chers amis aussi, je vous invite, si c'est une petite question comme ça au passage, j'hésite à me l'acheter ces derniers temps, c'est le jeu Project Cars. Je ne sais pas, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il ne l'est pas? À vous de me dire. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ah, j'y suis pas. D'accord. On va y monter alors plus précisément. L'avantage d'avoir ce buggy. Oh là, non, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Oh, le buggy, il est vraiment agile. Hein. Impressionnant. Oui, il y a un trou là-bas. Vous avez vu? Là, il y a peut-être du pétrole, mais là, il y a un trou. Alors, cette fois, on pense à mettre la pétoche, et c'est parti. Deux de ferraille. Alors, le premier, apparemment, je ne suis pas tout seul. Clover! Oh, t'as essayé quoi, mon pote? Aïe. Toi, t'as fait quoi? Franchement. Je pense pas t'être trompé de personne, là. On me frappe. Raté. Dis au revoir à ton bras. Voici donc le fameux finish que j'ai pu prendre. Bah alors? Bah alors? Dis au revoir à ton bras. Ça fait quoi? Munition de ceinture est pleine, ça c'est bon à savoir. Voilà, je m'amuse un petit peu avec alors du coup je pense. Continuons. Une bonne chose de faite, chers amis. Le pragmatisme et le calme de Max. Alors. Voilà, la voiture, je voulais voir, elle n'a pas d'éclairage du tout à l'avancée, elle en a deux petits. On va passer là-bas. Allons-y. Alors. Tiens, on va prendre, vu que c'est le buggy, ça change.
Oh, c'est épique de voir la l'animation se faire même dans le cockpit quoi. Donc oui, j'hésite à me prendre pour moi, hein, pas pour forcément en faire sur la chaîne. Parce que de toute façon déjà apparemment c'est un jeu qui est qui nécessite beaucoup de concentration, un peu à Dirt Rally. Si j'en fais, dans le pire des cas, ce sera en live et ce sera en full concentration. Ce sera juste pour le plaisir de vos yeux et pas de vos oreilles, chers amis. Salut les mecs. Ah, c'est dommage, je voulais le finir bien. Raté. Ah, mais ils ont un sniper. Boum. Boum. Aïe. Techniquement, de là, tu peux pas me toucher. Moi, je te touche. Bon, fait chier, j'ai pris plein de dégâts dans le nez. On va boire un coup. Ce qui ne va pas être suffisant pour me régénérer complètement. Mince. Oui, oui, il y a de l'eau ici, quelque part, normalement. Je vais te dire ça, Max, je vais te dire ça. Bizarrement, j'aurais dit en bas d'un tuyau, vous savez. Tiens, c'est marrant celle-là. On la trouve pas. Ah si, là, tout simplement. On cherche trop loin, chers amis. En plus, on va avoir une full... Si, on va pouvoir se faire full live, normalement. Parce que voilà, avec ça, on a 50% en plus. Ce qui fait qu'on peut en boire. Hop, voilà. Et re-remplir. L'avantage des bonus, chers amis. Marcus bonus qui utilise des bonus. On reprend la voiture, on arrête les blagues. Surtout quand elles sont moisies. Allez, on y va. Toujours écouter le chien. On va y penser. Oh, je laisse les trucs, c'est pas grave. Oui, oui, c'est le truc du cochon. Wouhou. Alors. Puis Project Cars, pardon, rentabiliserait mon G27 une fois de plus. Hein. Enfin, pour mon plaisir de jeu en tout cas. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à The Crew, je l'avoue. En même temps, je trouve que ce qu'ils en font n'est pas top. Pas top du tout. Le désavantage de Project Cars, c'est vraiment que c'est que de la route, que de la route, de la route. Enfin, que du circuit, justement, pardon, justement, il n'y a pas du tout de route. Ce qui m'inquiète un petit peu. Je suis plus partisan d'un. Qu'est-ce que t'as senti ? Ah, t'es vraiment pas loin. Oui, tu m'étonnes. Et boum. Ce serait con, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Et de une. Bah alors. Oh, il est... Oui, j'y vais, calme-toi. Hop. Ça, c'est fait. Bah alors.
Ok, parfait, l'ami. C'est sympa. T'as bien fait ton boulot, t'auras du Dinky-D à la maison. Menace réduite. Oh. On va aller là, donc. En espérant que le temps de s'y rendre, on trouve le prochain, tout simplement. Hop. Ah, un instant, chers amis. Re, chers amis, donc, j'aime quand la gendarmerie vient me voir, c'est toujours agréable. On reprend le nom d'en étion. Hop, les. Voilà. À droite. On est où? Ah oui, on était sorti légèrement en fait de la zone, ok, d'accord. Parfait. You smell something. Oh, ah bah oui, droit devant. Ok, elle est juste là. Bonjour les mecs. Dommage. Dis au revoir. À ta tête. Dommage. Dis au revoir à ta jambe. Et à ta tête. Ah non. C'est juste à ta colonne en fait. J'ai traversé tellement fort que ça a passé par ta colonne. D'accord, c'est con. Bon, désamorce hein. Pas grave. C'est intéressant toutes ces petites choses. Ça m'en a presque envie d'aller voir niveau. Garage nouveau. Bizarre. Au niveau de Max, au niveau des comment des autres compétences justement. Juste pour voir c'est quand qu'on débloque le dernier fusil. Sème la mort, donc il y a le temps. Mais au niveau des compétences, c'est peut-être des choses sympathiques. Hein. Ça on va prendre. Exécuter rapidement les ennemis à terre lorsque vous êtes en mode fureur. Mode fureur, je vais essayer d'éviter ça. Conclure les attaques de surface par une autre puissante finition. Ça peut être sympa aussi. Mode fureur, on y reviendra vraiment quand on aura besoin. Mouvement d'inversion qui désarme l'assaillant après une super parade. Ouais. Cerveau d'un surin pour exécuter un coincé contre les murs. Ah, ça peut être cool ça. Ça c'est casse-couille par contre, on ressort du menu à chaque fois. Cerveau d'un surin pour vous libérer d'un ennemi qui vous empoignait, non. Puissant mouvement qui peut fracasser les boucliers ennemis. Autre condition, puissant mouvement, d'accord, un coup de chair. Inversion. D'accord, faut que j'achète ça pour pouvoir acheter l'autre. On va commencer par ça plutôt. Brise bouclier, ça peut être cool. Hop, parfait. Là, on peut voir que notre Max, il est assez balèze malgré tout. Hein. Alors. Salut mon pote. T'as vu quelque chose dans le coin? Par où? Par où? À droite. D'accord. Merci. Et de deux. La troisième. Ah oui, j'étais en plein dedans. Hein. Quelques mètres de plus et je me la bouffais. Hop, j'ai cru que j'allais marcher dessus comme un con. Mais non, ça passe. Hop, oula. Max remonte dans le sable. Plus aucune menace, il ne patrouille plus dans cette région. Génial. Alors, on est encore à quelques points. Voilà, là. Les pipelines, plaine du brasier. D'accord. Alors, on a une information ici. Rencontre info. Elle était pas là avant. Elle était pas là avant. Si ça débloque des nouvelles choses, j'adore.
Si on est récompensé d'un supplément pour avoir fini une zone, je suis désolé, mais ce jeu, je l'aime. Je lui fais l'amour. J'ai pas compris comment qu'il passe les vitesses, hein, mais bon. Je vais finir par me dire qu'il les passe pas. Ah, il est là. Non, je l'ai raté. Blah. Bah, par contre, il est pas très dynamique à l'intérieur, je trouve. Oh là là. Oh, l'accélération, c'est dur. Ah non. Ah non, me fais pas ça. Oh, GG. Salut l'ami. Le fait de préparer sur relâche, il paraît que c'est un étranger déchaîné aux yeux fous qui a fait ce boulot macabre lui tout seul. Du moins, c'est ce qu'on m'a dit. C'était effectivement moi. Faites 8 rencontres sur le territoire de Jeet. Maguire niveau 5. Génial. Et il m'a remis ma voiture en plus. T'as vu ça comme c'est un gars sympathique? Bon, est-ce qu'on a du coup d'autres nouveautés qui apparaissent? Non. Non, bah c'est pas plus mal. Par contre, j'en profite pour aller faire celle-là. Vu qu'après tout, on a le buggy sous les doigts et qu'elle est plus ou moins en bordure. Olé. Hop. Alors. Sam. Lead on. À droite, tu me dis. Ah la vache, c'est des débris qui partent de ce truc-là. Aïe, bon bah. Attendez, y'a une tempête ou c'est moi qu'on chie? Alors, attendez, je sors du véhicule. Normalement, je peux faire ça. Ça me coûte 219. Bah écoutez, je les paye. J'ai réparé la voiture moi-même. Et maintenant, on évite de faire le con avec ces trucs. Même si je dois l'avouer, je comprends pas trop ce qui m'a tué en fait. Enfin, je comprends ce qui m'a tué, mais je comprends pas ce qui m'a fait des dégâts à la place, à la base. Ouh, elle était pas loin. C'est parti. Parfait. Alors, bonus de surin plus 1 capacité munition. On remarquera que je n'ai eu aucun surin en fait. Au passage, ça m'a surpris. Je sais pas pourquoi j'ai eu l'intention de regarder. Mais je n'ai pas eu surin. Oui, j'y vais. Où elle est? Où elle est? Mais dis-moi! Qu'il est con ce chien. Tu vas te décider sur là où elle est? Bon, chers amis, je crois malheureusement qu'elle est complètement buggée. Alors, ça c'est vraiment dommage. Raté. J'essaie de rouler dessus, hein. Je sais pas du tout où elle est. Mais ça c'est dans la zone, on va bien voir. Ah
Où est-elle? Mais dis-moi! Putain, mais elle est censée être juste là, à mes pieds, quoi. Ah, c'est casse-couille. J'aime pas quand le jeu me la fait à l'envers. J'ai pris la peine de prendre le buggy, je suis venu jusque là. Des voyageurs. Hey! Voilà. Tiens, bois. Voilà. Allez, vas-y. C'est de la bonne. 100% pisse. Oh là là, je suis sûr que ça vient de ce bug. Cette espèce de bug à la con. Qui fait que mon personnage s'enfonce et du coup... Non, on ne les récrasera pas, chers amis. Ah, si ça vient de ce bug, j'ai la haine. Ah. Ah, il me l'a montré. Ouh, c'était pas loin, ça. Dommage, je me serais bien fait. Ouais, mais pas avec le buggy. Surtout pas avec le buggy. Bon. Eh ben, chers amis. Oh, détruisez 10 mines, on se calme. Territoire de Jit. Donc, c'est encore le territoire de Jit, c'est cool. Et ça baisse. Donc là, nous sommes... Ici, nous sommes encore dans le territoire de Jit. C'est intéressant. Allons-y. Magouilla, niveau 6. C'est bon, ça. Alors, on va rentrer. Mais je viens de le faire, le champ de mine, abruti. Cabot à la mort, moi, le nœud. Boum. Je voulais voir ce que ça allait donner, mais non. C'était juste nul. Vous savez, c'est encore une de ces trucs dont Chum nous parle, qui sont en fait complètement nazes, et où il y a pratiquement rien dedans, quoi. Ok. Bon, bah, heureusement que ça... Récompense de projet dans 6 minutes. Mais, chers amis, on n'attendra pas ces 6 minutes pour cet épisode. Merci d'avoir regardé celui-ci. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, dont vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Visitez les liens vers mon partenaire GamesPlanet.com que vous pouvez retrouver dans le descriptif de l'épisode ou en haut de ma bannière de chaîne. Voilà, c'est encore une fois Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et merci de votre loyauté.